Et bonjour à tous les amis, bienvenue, soyez les bienvenus dans le Valo Hebdo. J'espère que vous allez bien. Je n'ai actuellement aucun retour casque, ce qui n'est pas très bon signe, vous le savez, mais comme d'habitude, beaucoup de soucis de son dans cette émission. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine également. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu pour... le Valo Hebdo, épisode 84. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Valo Hebdo, eh bien c'est très simple. Dans un format d'une heure, une heure et quart, je vous condense toute l'actualité de Valorant, que ce soit les nouveautés dans le jeu, les nouveaux patchs, les détails de ce qui est en train d'arriver, les skins également, les créations, les leaks, les perles de la communauté aussi. On passe un petit peu de mercato international et puis les grands circuits internationaux, qu'ils soient masculins, féminins, mixtes, etc. Et puis, un petit passage, bien entendu, par notre scène française, un petit peu plus, voilà, à la loupe. Et on termine, en général, par l'agenda de la semaine, voire avec un invité ou une invitée, s'il y a. Cette semaine, il n'y aura pas d'invité. On a peu de news. En ce moment, c'est un petit peu la période calme, hein. Je pense que vous allez vous en rendre compte assez rapidement. En tout cas, voilà. Bienvenue, les amis. Pour ceux qui connaissent, bon, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont avec nous sur Twitch en direct, j'ai vu pas mal de monde tout à l'heure arriver. Je vous ai salué dans le chat. J'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne sont pas avec nous en direct, eh bien, sachez que vous pourrez retrouver l'émission en VOD sur YouTube, exclamation VOD dans le chat. Également, vous allez pouvoir retrouver directement la VOD sur Twitch si vous êtes abonné à la chaîne. Et puis, pour ceux qui préfèrent l'audio, bien entendu, eh bien, sachez que le podcast est disponible depuis le premier jour en audio sur toutes vos plateformes préférées. Les voici: Apple, Google, Spotify, SoundCloud, Amazon Music et bien d'autres. Voilà à peu près pour le Valo Hebdo. Hello Dokai, comment vas-tu? Bienvenue à toi, mon cher Dorian. Voilà pour notre Valo Hebdo, les amis. Eh bien, on va pouvoir se diriger vers les toutes premières news de la semaine avec la rubrique des news. Incroyable, mais vrai, c'est parti pour le jingle. Excellent. Tu manges en même temps? Bah écoute, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Laisse-moi te régaler et t'abreuver d'actualité, si je puis dire. On commence traditionnellement les news par la version du jour, version 5.09, le patch 5.09, donc qui vient de sortir ce matin en France. On va détailler son contenu que vous allez voir extrêmement dense, c'est faux. Et on va ensuite passer en revue un petit peu le reste de l'actualité. Le temps que je mette en place tous mes assets, les voici. Mesdames et messieurs, première news. Donc, ce patch 5.09 qui, eh bien, est assez vide. Je l'ai sous les yeux, je vais vous faire la lecture. Ça va aller très très vite. Puisque, eh bien, les développeurs de Chariot nous indiquent que le patch de la semaine est très léger, car il nous prépare une grosse dinguerie pour le patch 5.10, donc celui qui arrivera vraisemblablement dans 2 semaines. Aujourd'hui, on est le 2 novembre 2022, donc il devra arriver aux alentours du 15-16 novembre. On verra un petit peu ce qu'il contient, ce patch 5.10. En tout cas, le patch 5.9
ne va contenir que des corrections de bugs, principalement au niveau des agents, au niveau de Harbor, donc sa cascade, les dômes également de Harbor avec une distance d'aveuglement prévue qui a été un petit peu corrigée. Il y a aussi des petits interstices, voilà, dans le sort marée haute, donc c'est-à-dire le wall, hein, le mur de Harbor. Les geysers également qui n'apparaissaient pas à l'emplacement du joueur, ça c'est pour son ultimate. Donc voilà, il y avait des bugs sur à peu près tous les spells de Harbor, comme d'habitude, hein, comme sur les sorties de personnages. Pas de dinguerie par rapport à ça. Les trackers de Sky, à noter également, ont été un petit peu améliorés. Et puis voilà, quelques changements ici et là. Notamment les trackers, donc l'ultimate de Sky, hein, qui était déjà très très fort, qui interagissait assez mal avec Reyna pendant qu'elle était sous ulti et également pendant l'ulti de Yoru. Donc voilà, Yoru, une petite correction de bug également. Sage enfin, qui voit son mur un petit peu plus résistant, notamment quand il est placé dans un coin de mur, etc. Un endroit un petit peu plus stratégique où on pouvait poser les murets. Souvent, eh bien, vous avez des blocs qui éclataient un petit peu par magie. Ça, c'est terminé de ce point de vue-là, en tout cas, dès que vous allez être vraiment dans un coin. On va passer à la news suivante. Et news suivante. Alors oui, effectivement, je me le suis noté ici, si vous l'aviez remarqué jusqu'à présent, et puis depuis un ou deux patchs. Vous pourriez retrouver Cypher sur le range d'entraînement si vous avez l'habitude, eh bien, d'aller vous entraîner, vous échauffer, notamment à l'aim sur le range, hein, sur la map d'entraînement. Vous aviez peut-être remarqué Cypher avec toute une partie de lore que je suis en train de vous compiler dans une vidéo de lore, bien entendu. Exclamation lore, LORE, dans le chat. Donc voilà, il n'est plus là, notre bon Cypher, il est reparti, on en reparlera un petit peu après. Par contre, quelque chose que j'ai pu constater par moi-même ce matin en faisant la première game de la journée, eh bien, c'était que des éléments graphiques, des posters, j'ai pas pris le temps de prendre les photos, mais j'ai récupéré les assets en data minant le jeu. Voilà, des posters, bien entendu, des étendards, et également des bannières un petit peu partout dans le jeu, hein, vous connaissez maintenant les différents emplacements, c'est-à-dire le panneau d'affichage de Bind vers la fontaine B, le musée également de Ascent, et puis encore quelques placards qui sont situés sur Pearl notamment, et sur lesquels on affiche pas mal de choses en rapport avec l'actualité IRL du jeu. Et bien là, c'est les Game Changers Championship qui sont à l'honneur et qui vont être donc plébiscités en ce moment même. Vous allez pouvoir retrouver donc ces différents posters, voilà, rouge et jaune sur ma gauche, donc qui vont célébrer, on va en reparler, mais mi-novembre justement, l'étape finale de cette compétition féminine mondiale que sont les Game Changers. News suivante, on en reparlera des Game Changers justement parce qu'il y a deux, trois petites choses assez intéressantes. Rendez-vous dans la deuxième rubrique de l'émission. Valorant, assez sympa d'ailleurs, Valorant nous publie un petit article léger sur un guide, on va dire, voilà, quelques guidelines pour effectuer un cosplay de Harbor correct. C'est assez sympa puisque, effectivement, d'habitude, en tant que cosplayer, il me semble que voilà, les personnes sont habituées à décortiquer un petit peu tous les visuels officiels qu'ils ont, plus quelques vidéos également à passer en frame par frame. Et bien là, voilà, je vous mets les assets sur ma gauche, avec les vues ortho notamment des personnages. Valorant fournit directement les visuels haute définition avec, voilà, le détail. Là, par exemple, on a le buste, les tatouages des épaules, les tatouages des bras, également le détail sur les gants, les mains, voilà, les bracelets, bien entendu, les bagues, hein, qui constituent une part importante avec les bijoux, voilà, de Harbor, le nouveau personnage. Donc, une grande, grande aide. Et puis, bien entendu, quelques patterns, quelques tatous. On va retrouver des motifs qui sont assez sympas et qui sont donc officiellement ceux du personnage, fournis donc pour les cosplayers. Et ça, c'est plutôt cool.
Ça, c'est plutôt cool. On enchaîne avec la grosse news de la semaine. Vous l'avez peut-être vu popper il y a quelques jours. C'est le mode élite ou le mode premier. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Le mode tournoi officiel. Donc, tournoi, je vais vous lire un petit peu l'article qui est publié sur le site de chez Valorant et qui va nous expliquer, eh bien, comment va se dérouler un petit peu ce mode tournoi, un mode intégré au jeu et qui sera une couche entre le monde, on va dire, casual, le monde des joueurs standards comme vous et moi, et le monde des pros, donc une véritable passerelle pour le monde professionnel dans l'e-sport Valorant. Je vais vous lire un petit peu tout ça. Avec donc John Walker, un designer dans l'équipe compétition, qui nous avait parlé un petit peu de l'avenir de Valorant en début d'année 2022. Et donc, il est en train de nous expliquer dans l'article que l'équipe voulait proposer un objectif très ambitieux au-delà du rang Radiant, puisque Radiant, je vous le rappelle, ce sont le top 500 des continents aujourd'hui. On a un Radiant continent Amérique, un Radiant continent Europe et un Radiant continent Asie, 500 personnes à chaque fois, et donc ce sont les 500 meilleurs du monde dans ces continents-là qui sont Radiants. Eh bien, c'est encore au-delà de ça. Les développeurs souhaitent canaliser les joueurs de très très haut niveau, en tout cas ceux qui vont avoir le plaisir, eh bien, de jouer, et notamment de jouer en équipe. C'est très très précis puisque là il va s'agir d'un jeu d'équipe pour ce mode tournoi. Alors je vais vous faire passer en même temps que je vous lis la chose. Je vais vous faire passer un petit peu les différents assets si je le peux. Voilà. L'équipe compétition s'apprête donc à présenter la version alpha de ce mode, le mode élite, devant un premier panel de joueurs. A priori, ce premier panel de joueurs va être l'Amérique du Sud. C'est pas la première fois d'ailleurs que l'Amérique du Sud dans Valorant est choisie pour pilote justement d'un mode, on va dire, un petit peu plus important qu'un patch. C'est assez intéressant de le souligner. Notez bien donc que chaque personne va disposer d'un compte Valorant et ils vont devoir atteindre le niveau 20, c'est-à-dire jouer assez longtemps dans certains modes de jeu, notamment le mode standard, le mode non classé et le mode Spike Rush par exemple, pour déterminer un petit peu leur MMR. L'idée, c'est bien entendu de ne pas autoriser les Smurfs. Il y aura pas mal de contrôles, je vous en avais longuement parlé dans les Valo Hebdo précédents, avec un contrôle notamment sur l'identité. Pour limiter au maximum le smurfing, pas mal de choses comme la double authentification a priori qui sera requise. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on va tester pendant cette alpha? Donc, version alpha, hein, bien entendu, on est avant la bêta, mais c'est vraiment les prémices. Je pense que la version finale devrait être attendue pour début 2023, c'est l'objectif. Nous avons mis au point donc un nouveau mode de jeu appelé Elite, dans lequel vous pouvez monter une équipe pour participer à un calendrier déjà établi de tournois. Ça, on en avait parlé, effectivement. A priori, c'était un tournoi par semaine. Elite vous propose de créer un groupe et de rejoindre 5... de créer ou de rejoindre un groupe de 5 amis, voisins, etc. et tenter de décrocher la gloire. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de joueurs semi-pro ou de joueurs pro, hein, qui vont se mettre en équipe là-dedans pour essayer de se fight. Ça va être un excellent tremplin, je pense aussi, pour aller chercher les VRL ou une excellente alternative au prac entre équipes. On verra un petit peu ça. Chaque saison durera quelques semaines et vous y mettrez tout votre âme. Vous pourriez aller jusqu'à vous qualifier pour un tournoi de fin de saison, remporter le championnat de division. Effectivement, il y aurait plusieurs divisions. Ce sont les joueurs donc brésiliens, hein, qui vont tester l'alpha, a priori. Alors attendez, hop, voilà, je vous mets l'asset suivant, que vous voyez un petit peu les articles, les différents visuels. Donc création d'une équipe avec logo et couleur. La résistance du serveur qui va être testée aussi.
le jeu en mode tournoi avec le pick et ban des maps, ça c'est très intéressant. Le score élite, qui va être un, voilà, un score, un MMR de ce mode élite, précisément. La qualité du matchmaking aussi va être un petit peu testée, puis des bugs un petit peu plus généraux par-ci, par-là, qui vont être choisis. On a pas mal d'autres petites choses aussi, par exemple, voilà, la création des logos avec plusieurs logos, à mon avis, prédéfinis, plusieurs gifs à peu près définis, des couleurs également prédéfinies, là, par exemple, trois couleurs ici, vous le voyez avec la petite bombe là, qui sera verte foncé, verte clair, sur fond rouge. On va voir voilà ce mode tournoi et avec un bracket hein, qui va être proposé bien entendu. Le premier groupe de testeurs va dire un petit peu à Riot ce qu'ils ont aimé, les fonctionnalités qu'ils attendent. Et l'idée c'est que tout ce que là je suis en train de vous montrer et tout ce qu'ils ont d'ores et déjà créé, qui est pas mal du tout, hein, qui remplace par exemple des systèmes a priori. Qui remplacerait des systèmes un petit peu comme Faceit par exemple ou tout simplement des organisations de tournois un peu tiers. Voilà, tout ça va être complété puisqu'ils ont vraiment le début des fonctionnalités pour l'instant. Donc voilà, vous avez par exemple sur ma gauche le pick et ban de map. On a pas mal de petites choses de ce côté-là. Hop. Pas mal de petites choses de ce côté-là. On ne fait pas attendre le reste du monde par plaisir, mais parce que c'est nécessaire pour bien faire les choses, effectivement. Donc voilà, uniquement le Brésil serait confirmé pour faire l'alpha test. Encore une fois, alpha test. On n'est même pas sur le stade de bêta. Donc voilà, assez intéressant. Vous avez également le... l'écran de pick and ban que je trouve très réussi et dont pas mal de monde, je pense, va s'inspirer dans le futur, dont je m'inspirerai moi-même dans le futur. Je peux vous le dire. Voilà pour le mode de tournoi qui est en train d'être testé donc au niveau du Brésil. Une nouveauté en tout cas qui fait suite à un petit point d'interrogation que je vous avais soulevé la semaine dernière. Il y avait une collaboration en préparation entre Secret Lab et Valorant. Eh bien, on savait que quelque chose arriverait au niveau d'octobre. C'est arrivé vraiment fin octobre. Vous savez, Secret Lab, l'équipementier officiel hein, qui sponsorise depuis 2021, pardon, voilà, les compétitions officielles avec notamment d'éditions d'accessoires et notamment de chaises gaming. Voilà, chaise Titan là, que vous pouvez retrouver sur ma gauche, qui était l'édition des Champions 2021. Il y a eu des éditions également pour les Masters de Berlin, de Reykjavik. Et enfin, eh bien, Secret Labs et Valorant nous présentent leur nouvelle collaboration pour fin 2022. Quelque chose qu'il va falloir sans doute mettre sous un immense sapin fin d'année. Un setup complet de gaming qui, je dois bien vous l'avouer, me fait gravement saliver. Alors vous avez, pour ceux qui nous écoutent hein, en podcast, vous allez avoir un combo chaise de gaming, accessoires ainsi que bureau de gaming. Je vais vous détailler très très rapidement cela. On va retrouver donc cette chaise, c'est la chaise Titan édition 2022 que vous retrouvez chez énormément de streamers et de streameuses aujourd'hui. Hein, celui qui a le dossier droit et la tête très très carrée, très très triangulaire, trapézoïdale même, qui a fait ses preuves aujourd'hui. Vous avez donc la finition Valorant aujourd'hui. Ce qui est assez sympa, c'est qu'elle est un peu intemporelle. Donc, on a vraiment juste le logo du jeu. À l'arrière, la surpiqûre du nom du jeu avec la police qui va bien. Pour le modèle standard, puisque vous avez plusieurs tailles, vous avez également plusieurs revêtements en cuir, revêtements exotiques, etc. Je vous laisserai aller regarder ça. Il y a tout un configurateur chez Secret Lab, c'est assez intéressant. Le modèle standard, on va dire, le modèle médian, vous allez pouvoir le retrouver aux alentours de 650 €. Ce qui est assez proche finalement des tarifs de Secret Labs pour les chaises gaming.
Le bureau, quant à lui, va arriver en deux déclinaisons. Une déclinaison avec quatre pieds, comme une table standard, et une déclinaison avec deux pieds, celui-ci réglable en hauteur. Je crois que c'est le Magnus qu'il s'appelle, la Rolls-Royce, hein, finalement, du bureau, pour plusieurs hauteurs, plusieurs largeurs également, plusieurs designs. Et vous allez pouvoir retrouver le modèle médian aux alentours de 850 €, hein, ce qui est un bel investissement, mais là encore une fois, un bureau d'une grande qualité. Les Magnus sont vraiment ils sont vraiment reconnus dans le milieu de l'audiovisuel et notamment du streaming du YouTube Game pour être d'excellents bureaux de joueurs, de monteurs, de créateurs, etc. Voilà pour cet ensemble qui est vraiment très 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 beau, très très sympa. Je n'ai malheureusement pas l'envergure ni les contacts chez Secret Labs pour aller chercher un petit pack de ces éléments-là gratuitement, mais ça ferait quand même très très plaisir. On verra. Écoutez, si on gagne au loto, pourquoi pas s'offrir ce petit duo de bijoux. Dernier appel pour les packs de skins Ion. Je vais vous remettre le générique d'ailleurs de ce pack de skins, voilà, qui était fabuleux. Pack de skins Ion, bien entendu, mesdames et messieurs, que vous avez pu découvrir il y a déjà plus d'un an avec le pack qui contenait le shérif, l'opérateur, je crois. On avait quoi d'autre? On avait Sheriff Operator, la fantôme, on avait l'arme de mêlée qui était en forme de selle de vélo, et la quatrième arme, je ne m'en souviens plus. Ce n'était pas le classique Operator. Ouais, je me souviens plus laquelle c'était. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir retrouver donc une nouvelle collection Ion. Il ne reste que quelques heures pour la saisir, puisqu'elle est disponible depuis maintenant une grosse semaine. Avec, bien entendu, la Vandale. C'est la Vandale qui faisait le plus envie aux gens et aux créateurs, notamment, qui l'ont beaucoup imaginé avant qu'elle sorte officiellement. Frenzy, Spectre. On va retrouver également la Ares. Et un 40 bits courbe, très très satisfaisant également. Ah voilà, on avait le Bucky juste avant. Je vous remets les images avec l'ancienne collection. Donc voilà, Bucky, Sheriff, Operator, Phantom et la selle arme de mêlée, bien entendu. Et là, vous allez pouvoir retrouver donc la Vandale, la Ares, la Spectre, le Frenzy et un 40 bits pour cette collection Ion qui va disparaître normalement ce soir. Quatre déclinaisons de couleurs, cependant, avec la déclinaison standard blanche futuriste, une déclinaison verte, une déclinaison jaune-orangé et une déclinaison bleue, tout à fait réussie également. Plusieurs variations, bien entendu, de VFX et des niveaux d'amélioration. C'est le genre de pack qui est tout à fait complet et travaillé. 7100 Valorant Points pour aller chercher aux alentours de 72 €. Et bien entendu, il vous faudra des points de Radianite pour faire évoluer tout ça selon vos désirs. En parlant de skins, on a une nouvelle ligne de skins qui a été révélée officiellement. Aujourd'hui, les leaks sont très très, sont très, très rapprochés, hein, de la sortie officielle, voire synchronisée. Nouvelle ligne de skin qui s'appelle Soul Strife, donc la cueillette d'âme. Vous imaginez bien que, eh bien, la concordance avec Halloween n'est pas étrangère à ce nom et à ce thème. Vous pouvez découvrir d'ailleurs. Donc voilà les 5 armes disponibles à l'intérieur de ce pack, avec notamment un Ghost, un Spectre, un fantôme et une guardiane, avec on va dire, une mini faux, une petite faux en guise d'arme de mêlée. Le thème, bien entendu, de la mort, voilà, de la faucheuse
est tout à fait présent. Je dois avoir également un petit visuel, voilà, pour vous régaler, pour vous montrer un petit peu. Donc voici arme à thème blanc, hein, blanc-gris, avec, avec de la fumée qui va s'échapper un petit peu de l'arme lorsque vous la tenez en main. On est assez proche finalement des Rune Nation, des Elder Flame, et pas des Elder Flame, des Forsaken par exemple, en termes de pack de skin. Voici la spectre. On va passer au Ghost. La Guardiane ensuite. Hop là. Très sympa la Guardiane. Il faut savoir la jouer. C'est une arme très compliquée à jouer. Celle qui sera sans doute le plus utilisée. La fantôme, tout à fait sympathique. Tout à fait sympathique. Et enfin, l'arme de mêlée, la voici. La fameuse faucille, la fameuse faucheuse. On retrouve un petit peu la... On va retrouver un petit peu la même mécanique que, la, que les haches, que vous connaissez déjà dans Valorant. Avec des petits effets, bien entendu, de lumière, de fumée qui sont très satisfaisants. Voilà, donc Soul Strife, a priori, pour 5100 Valorant Points. On n'a pas encore le tarif officiel, mais il arrivera donc alors ce soir aux États-Unis, dans quelques heures aux États-Unis, et a priori demain matin pour nous en France. On verra un petit peu ça. On continue sur les skins, il me semble que c'est le dernier chapitre sur les skins en effet, avec le pack Juste Retour, Give It Back, c'est son nom en anglais, le bundle qui réunit des skins dont la communauté a voté, un pack tout à fait hétérogène qui va permettre eh bien, d'aller récupérer des fonds pour une association caritative. Voici le premier choix. Je vous ai mis les choix en fait, hein, qui ont été faits et qui ont été finalisés par la communauté, donc qui vont nous donner le contenu de ce pack. Pour la Spectre, c'était soit la Mage Punk, soit la Radiant Crisis. La Radiant Crisis, c'est celle qui ressemble un petit peu au thème BD de la BD 13, si ça vous rappelle quelque chose. C'est la Mage Punk qui a remporté ce vote-là. Du côté des armes lourdes, on avait la Odin River et l'opérateur Forsaken, et c'est l'opérateur qui a remporté le vote. Du côté des armes de poing, soit le Prime classique, le Classic Prime, soit le Ghost Vengeance de Gaïa. Vengeance de Gaïa qui a gagné d'une très très forte tête, me semble-t-il, qui est cette ligne de skin qui, je ne le comprends pas, mais est toujours très très apprécié des gens. Assez incroyable. Du côté des armes d'assaut, il s'agit soit de la fantôme Oni, également vieille fantôme, hein, très 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 jouée encore aujourd'hui, et de la Vandale Neptune. La Vandale Neptune qui a une excellente, excellente réputation, notamment en termes de sound design, puisque vous avez des petits plop 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 quand vous tirez. C'est ce qui séduit, et c'est donc cette Vandale qui a remporté la mise. Donc voilà le contenu de ce pack Give It Back qui arrivera très très bientôt. Je pense aux alentours de mi-novembre, un petit peu moins peut-être. On verra ça. Mettez Windows 10 à jour, mettez votre Windows à jour, mesdames et messieurs, puisque à partir de fin novembre, eh bien, plusieurs anciennes versions de Windows 10, vous le savez, à l'intérieur de Windows 10, il y a eu plusieurs sous-versions, plusieurs patchs, si vous préférez, eh bien, plusieurs versions ne seront maintenant plus prises en compte pour le support, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus faire de tickets, vous ne pourrez plus aller vous plaindre à Riot. En indiquant que vous jouez sur une vieille version, ils vont vous demander d'upgrader votre PC puisque, eh bien, au fur et à mesure du temps,
Les éléments du moteur, les éléments du jeu sont améliorés pour corriger les bugs, mais ils suivent aussi eh bien, l'évolution de Windows et notamment les différents patchs, les différentes évolutions des... voilà, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais les différents packs de plugins et autres environnements de développement. Bref, mettez votre Windows 10 à jour. En plus, c'est bon pour la sécurité. Faites ça quand voilà, vous n'avez pas besoin de l'ordi, puisque vous le savez, ça prend toujours un petit peu de temps, que ce soit, et un petit peu de ressources aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre votre Windows à jour pour continuer à jouer à Valorant et à être supporté. C'est donc là l'objectif. Dernier rappel également, la campagne de sensibilisation à l'authentification à deux facteurs, c'est très dur à dire en français. Riot qui nous fait une petite campagne pour nous rappeler que eh bien on peut sécuriser nos comptes avec donc le mot de passe ainsi que un SMS ou un mail par exemple pour se connecter à chaque fois. League of Legends, Legend of Runeterra, Teamfight Tactics ou encore Valorant sont concernés. Pour Valo, eh bien vous verrez offrir un petit cadenas en or. Le voici donc, petit cadenas à deux chiffres qui vous permettra eh bien, d'afficher que vous êtes l'heureux propriétaire d'un compte qui est sécurisé à deux facteurs. Peut-être d'ailleurs ce double facteur d'authentification sera nécessaire pour le mode tournoi. C'est ce qui était prévu à la base. On verra si c'est le cas. Et puis, redite de la semaine dernière, mais ça n'a pas bougé normalement. Je vérifie quand même, les amis. Mais il me semble que ça n'a pas bougé avec ce petit pendentif de hamster sous cocaïne qui sera votre prochain porte-clés si jamais il a vraiment les yeux éclatés. On peut pas dire le contraire. Là, je suis désolé, les amis. Il est vraiment éclaté. On va regarder très rapidement. J'en profite un petit peu. On va regarder très très rapidement si c'est bel et bien le dernier asset. Mais il me semble que oui. Allez, la page de loot, c'est parti. Vous connaissez gaming.amazon.com. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ça. Et effectivement, ça m'a l'air d'être le cas. C'est bel et bien le cas, mesdames et messieurs. Voilà donc pour ce petit pendentif. On enlève le laptop et on continue le combat. On continue, les amis, avec un petit retour sur le calendrier de cet épisode 5 dans lequel nous nous trouvons. L'acte 1 qui contenait Pearl, l'acte 2 qui contenait de l'équilibrage et des modifications de map, et puis l'acte 3 qui contenait Arbor. Voilà cet acte numéro 3 dans lequel nous nous trouvons à présent, qui a commencé le 19 octobre et qui se terminera le 11 janvier. Le 11 janvier, donc, c'est la date à laquelle l'épisode 6 commencera et verra sans doute eh bien, nombre de modifications. On anticipe d'ailleurs une prochaine map hein, qui devrait se dérouler aux alentours du Sri Lanka. Je ne sais plus exactement où, en tout cas, non, il me semble en Inde, autant pour moi. On en reparlera un petit peu aussi de ça, on en reparlera un petit peu plus tard, les amis. Plus tard également, ce qui arrivera, un petit buff de Cypher, le célèbre sentinelle, qui a été un petit peu délaissé hein, depuis la mise en exergue de Chamber et de Killjoy, qui restent les deux sentinelles, on va dire, les plus utilisées aujourd'hui à ce rôle-là. Si on exclut Sage, bien entendu. Voilà, Cypher qui pourrait revenir un petit peu dans la danse. Communication officielle qui avait été faite lors de la sortie de Arbor, notamment. Les emotes qui sont à venir, mesdames et messieurs, dans Valo. Un petit peu comme dans Fortnite. Vous allez pouvoir, à la troisième personne, eh bien, faire effectuer une petite danse à votre personnage. Voici par exemple une jet virevoltante ici sous vos applaudissements. Donc les emotes qui devraient arriver également, des choses qui pourraient arriver dans cet épisode 6, on ne sait pas encore, mais la sélection des agents en cascade, un petit peu comme dans League of Legends,
une draft un petit peu plus élaborée, avec 10 secondes de sélection par joueur, pas d'insta-locking hein, comme aujourd'hui. On verra si c'est le cas. Et puis des modes de jeu dans le futur qui pourraient arriver, le 1v1 également, soit en BO10, soit en BO13, qui pourrait être intéressant, soit le CTF, donc capture du drapeau, victoire par équipe, bien entendu à la capture d'un objet neutre. Les tournois en interne, on en a parlé hein, tout à l'heure avec, avec la révélation de l'article. Voilà, qui pourrait arriver sans doute à l'épisode 6. Et on sait que donc on va avoir voilà, des points de ligue. Un niveau minimum sera requis, c'est le niveau 20, bien entendu. Et puis des divisions, ça on l'a appris également tout à l'heure dans l'article, mesdames et messieurs. Valorant Mobile aussi, qui arriverait sous peu, on ne sait pas encore quand, mais voilà, je vous mets quelques images de l'alpha chinoise qui est toujours en test hein, depuis plusieurs mois aujourd'hui. Donc voilà, avec les contrôles mobiles que vous imaginez pour un FPS sur mobile. Les contrôles qui s'inspirent pas mal, j'ai l'impression, de Call of Duty mobile qui reste aujourd'hui une référence dans la matière. Voilà, très intéressant avec eh bien, toutes les armes que vous connaissez aujourd'hui, pas mal de choses qui vont pouvoir eh bien, permettre à une nouvelle partie de la population de découvrir Valorant, donc sur mobile, également aussi peut-être plus tard sur console, avec une sortie sur PlayStation, éventuellement sur Xbox et peut-être sur Switch. On a découvert les boutons du jeu à l'intérieur des fichiers du jeu, justement, donc qui traduisent que la version console est également en train d'arriver petit à petit. Là, par contre, beaucoup moins de certitude et bien entendu, pas de visuel à vous montrer pour l'instant. C'est vraiment à l'étape de développement puisque des offres de recrutement sont toujours en cours du côté de chez Riot. Et puis, offre de recrutement, en voici d'autres. Si vous souhaitez intégrer l'équipe, vraiment la véritable équipe de développeurs et d'artistes qui gèrent et qui créent Valorant au quotidien, eh bien, sachez qu'il y a des jobs à pourvoir. Il y en a voilà, une vingtaine. Vous avez la liste à peu près exhaustive des jobs principaux à récupérer du côté de chez Riot. Vous allez avoir des ingénieurs du côté de la partie compétitive, donc la partie mode tournoi, la partie ranked, la partie performance, progression aussi avec les niveaux voilà, de vos comptes, les agents en game designer, des game designers pour les modes, pour le mobile, pour la console sont requis, des artistes en VFX aussi, des artistes du côté de, voilà, du design visuel et puis des product managers, bien entendu, des opérationnels et des managers seniors pour piloter un petit peu toutes ces équipes-là, puisque Valo continue de se développer. C'est un jeu qui est en plein essor un peu partout dans le monde et dont le nombre de joueurs ne cesse de croître. Vous le savez, on va passer aux petites perles de la communauté. On va même passer, écoutez, voilà, en plein écran. Si on le veut bien, full, voilà, transition vers le plein écran, c'est parfait. Avec ce premier visuel, avec Arbor qui tient une batte de cricket ronde, d'ailleurs, c'est assez curieux, ainsi que Breach qui sont à la salle de sport. Les voici, c'est Halloween et on va retrouver Neon ainsi que Jet et Raze en train de faire des trous dans les citrouilles. Très très sympa celle-ci. Bien entendu, on parlait de cosplay tout à l'heure, de guide de cosplay pour Arbor. Et bien voici quelques photos justement d'un cosplayer professionnel qui a réalisé un magnifique Arbor. Je vous laisse admirer notamment le travail sur les gants et les tatouages des bras, notamment qui sont très très bien faits comme vous pouvez le voir. Et puis enfin, un petit Happy Diwali, la célèbre fête indienne autour de la famille, notamment très très beau visuel, très très belle
artwork qui nous est proposé ici. Très sympa, hein, l'arrivée de Harbor, du coup, qui nous plonge un petit peu dans la culture indienne. Et la prochaine map ne va pas nous laisser sur notre faim. Et enfin, ce chamber avec une carte un petit peu à la Doflamingo, j'ai trouvé très, très intéressant le parallèle pour ceux qui connaissent l'anime ou le manga One Piece. Voilà pour Chamber. Dernière petite chips, celle-ci, je vous l'avais gardée depuis un petit moment. On parlait de Riot. Eh bien, je vais vous inviter maintenant à parcourir les couloirs de chez Riot. J'ai bien dit de chez Riot. C'est parti pour les headquarters. Incroyable les amis, ce petit tour d'horizon justement des headquarters, des HQ de chez Valorant, de chez Riot Games donc à Los Angeles. C'est une cité en Californie. Incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Celui-ci, je voulais vous le partager depuis un petit moment. Donc voilà, très, très sympa. Ça donne envie d'aller bosser là-bas. Je vais pas vous mentir avec l'ensemble des choses, l'ensemble des décors et des équipements qu'ils ont. C'est vraiment très, très sympa. Donc voici un petit peu l'envers du décor. On va partir sur la deuxième partie de l'émission à présent. Mesdames et messieurs, on prépare les assets pour la scène internationale. Let's go! Scène internationale qui va nous permettre de récupérer deux, trois petites news, justement. Alors, il y en a très, très peu cette semaine. On avait bien, bien bourré, justement, les annonces, hein, la semaine passée, me semble-t-il. Et aujourd'hui, eh bien, on va avoir très, très peu de très, très peu de news. Pas de mercato particulier, voilà, pas de mercato marquant dans l'absolu. Du côté de Valorant, on va passer directement au Game Changers et je crois que j'ai même le petit jingle pour les Game Changers. Voilà, petit jingle sympa. Je le trouve très très cool. C'est moi qui l'ai presque fait en plus. Game Changers, donc la scène féminine internationale, vous connaissez bien.
on a atteint quasiment eh bien, la fin de, voilà, de cette scène 2022. Les championships, donc l'étape finale, l'étape les Worlds, si vous préférez, des Game Changers qui vont avoir lieu du 15 au 20 novembre, donc c'est-à-dire dans 2 semaines très précisément. Je comptais aller là-bas physiquement justement pour pouvoir me régaler, mais il se trouve que c'est organisé et on accueille le public dans le studio de la LEC à Berlin, le studio de la Ligue européenne, de League of Legends, et il se trouve que ben voilà, l'endroit est très très petit, les places ont été vendues en quelques minutes. Je n'ai donc pas pu m'en procurer. Et on va essayer de voir, je ne sais pas encore si c'est faisable, de pouvoir eh bien, se watch party, ça comme la dernière édition de septembre qu'on avait eu le plaisir de regarder tous ensemble. Donc on va croiser les doigts pour peut-être pouvoir partager ça ensemble. Sinon, il y aura le stream officiel, bien entendu, du côté de nos sélections, justement. On a les équipes, on a les 8 équipes qui viennent un petit peu du 4 coins du globe pour cette partie du coup des championships. On va retrouver dans l'ordre pour représenter la zone Amérique, mesdames et messieurs. Il va s'agir de Cloud9 White ainsi que de Shopify Rebellion. Voilà pour la zone Europe, Guild X qui sont qualifiés en premier justement sur le qualifier de septembre, ainsi que les fameuses G2 Gozen, grandes favorites européennes. Côté Brésil, on va retrouver les Team Liquid qui, vous le savez, voilà, ont un roster féminin au Brésil. Les crues female sont qualifiées justement pour la région LATAM. Ensuite, l'Asie Pacifique, ce sont les Extens. Et enfin, la région Est-Asie, il s'agira de la team Fennel. Donc voilà, des grands noms hein, finalement qu'on connaît déjà dans la scène régulière et qu'on va pouvoir retrouver avec grand plaisir du coup sur cette scène féminine dans quelques jours, histoire de vous rappeler en plus des décors donc qui sont justement qui sont mis à disposition dans le jeu pour l'occasion. On va avoir également une carte qui va être éditée. La voici, hein, vous la voyez, elle est vraiment très très belle avec le logo bien entendu des Game Changers, de couleur également jaune or. La voici. Et puis 5 silhouettes féminines, bien entendu, qui représentent une équipe qu'on va pouvoir retrouver. Donc je ne sais pas si, à la faveur d'un drop, on pourra récupérer cette carte-là ou si elle va être simplement réservée et donnée aux participantes des Game Changers un petit peu partout dans le monde. Ça, je ne sais pas. Concernant le Champions Tour 2022 et 2023, eh bien, vous connaissez un petit peu le calendrier, hein, je vous le rappelle très très rapidement, sur la strate internationale, donc les 3 grandes ligues, Amérique, Europe, Asie. Voilà, la saison internationale va commencer le 14 février, oui, le jour de la Saint-Valentin, mesdames et messieurs, avec un tournoi de lancement à Sao Paulo. Vous allez avoir ensuite un segment de ligue qui va se dérouler sur avril et mai. Et on va ensuite retrouver les Masters en juin, les Last Chance Qualifiers en juillet, et enfin en août, ce sera les Champions. Donc ça, c'est pour la strate internationale, hein, les 3 fois 10 équipes qui ont été sélectionnées comme partenaires par Riot. Dans la strate Challengers, donc la strate régionale slash nationale, on va avoir eh bien, plusieurs segments de ligue, un segment qui va faire janvier-mars. Un deuxième segment mars-mai. On va avoir un petit peu plus tard, du coup, un tournoi en juillet qui sera un tournoi d'ascension et qui permettra au top 2 de chaque continent de grimper dans la ligue internationale qui lui correspond pour pouvoir devenir partenaire de chez Riot, vous l'avez bien compris. Qui nous rappelle un petit peu, voilà, le système pyramidal qu'il nous avait présenté il y a quelques mois. Bien entendu, puis je vous remets les équipes VCT 2023. Vous les connaissez déjà, et notamment nos 2 équipes issues de la VRL française, Carmine Corp et la team Vitality. On souhaite bonne chance
à nos étoiles françaises, bien entendu. Une bonne nouvelle également du côté de la scène CIS, donc Russie et tous les pays russophones, en tout cas Europe de l'Est. On va avoir eh bien, une région CIS qui va repouvoir participer en 2023 voilà, aux événements compétitifs de Riot. Ça inclut donc la VRL et puis ça inclut également d'autres tournois de compétition. Ça va permettre aux grandes écuries comme Gambits par exemple ou Forze de pouvoir reprendre de l'activité puisque eh bien, elles étaient exclues de facto d'apparaître dans les événements officiels. On se souvient que la team Gambit typiquement a dû se présenter en tant que M3C pour pouvoir continuer de voilà de d'œuvrer dans cette scène compétitive. Donc bonne nouvelle de ce côté-là. L'intersaison du VCT il continue toujours avec le G-Loot Valorant Clash, le très très gros tournoi, en tout cas 50 000 dollars à aller chercher, c'est encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Je vous rappelle un petit peu le calendrier avec les inscriptions qui ont eu lieu début octobre. Le 30 octobre se terminait le showdown, donc le tournoi de préparation, on va dire, à la finale. Et c'est la team Bonk, avec notamment notre Juzeu, le célèbre joueur franco-irlandais, qui a rempli la première place, qui a récupéré la première place. La grande finale de ce tournoi-là va être... la grande finale et les grandes phases finales avec les playoffs se dérouleront du 25 au 27 novembre, avec donc 6 équipes qui se seront qualifiées dans ce showdown et les 10 équipes invitées mystères dont on ne connaît pas encore la liste. On en saura un petit peu plus tard. Toujours dans cette édition 2022 justement de l'intersaison, du côté des étudiants, c'est le Red Bull Campus Clutch qui est en train de battre son plein en ce moment. On a des qualifications qui sont en train de se dérouler, notamment ce week-end il me semble pour la Belgique. Toujours extrêmement peu d'informations hein, sur le Red Bull Campus Clutch. Les informations ne fuitent pas, ne transparaissent pas. Donc j'ai vraiment très très peu de choses à récupérer de ce côté-là. Et puis une finale à Sao Paulo qui aura lieu donc fin d'année pour aller chercher un cash prize de 20 000 euros. Le cash prize étant en euros. Mesdames et messieurs, du côté de Red Bull toujours, c'est le Red Bull Home Ground, le fameux tournoi avec les Home Grounds hein, qui sont une fois de plus à l'honneur en 2022. On va avoir un tournoi qui attend 64 équipes avec un open qualifier. Mais il me semble qu'on a, on a quelques équipes qui sont invitées. Notez bien que la finale se déroulera en LAN et à Manchester, en Grande-Bretagne. Les équipes invitées à l'heure actuelle connues sont Team Liquid, Team Vitality, Big, Focus et les Footballists également. Célèbre équipe turque, voilà pour cette partie d'intersaison, mesdames et messieurs, du VCT, en attendant que les hostilités recommencent début 2023, bien entendu. On va se diriger du côté de la scène FR pour la troisième rubrique de l'émission. Allez, c'est parti. Scène FR sur laquelle eh bien, en ce moment il se passe de trois petites choses, vous le savez. Hop là, on va afficher le cadre pour les assets et les voici nos news françaises avec bien entendu le sujet du moment. Il va s'agir de la Coupe de France. Voilà, je vais même l'afficher un petit peu sur le côté comme ça. La Coupe de France Valorant qui découle bien entendu de notre VRL et qui va être organisée en partenariat avec l'Occitanie eSport à Montpellier. Je vous rappelle
le principe. 16 équipes en phase finale avec bien entendu des qualifications online qui se sont déroulées et qui sont toujours en train de battre leur plein. On est sur les playoffs en ce moment, le 10 et le 11 décembre. Alors, on aura la phase de finale en LAN, donc à Montpellier, où plusieurs milliers de personnes sont attendues. Je vous rappelle les équipes qui participent justement à cette belle rencontre. On va retrouver les Mandatory, les CGN, les Biginus, les Valorian également. On va retrouver la Carmine Corp, Hit, Zerance, Sector One. Ensuite, on en a d'autres, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver les... Bref, les Mujipus, les Bonk, on en a parlé. La Team Clanic, hein, qui a fait un excellent départ. Et puis, Akuba, bien entendu, pour les qualifications. Voilà, Team Amazing également. Dragon Slayers et la Team Victory pour les ressortissants de la zone Benelux, hein, qui font tout de même partie de la coupe. On a un petit peu progressé. Je vais vous montrer, avant de regarder un petit peu l'agenda. On va regarder ça. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent insupportable. On va regarder. Oui, c'est bon. C'est le bon écran. Hop là. Avec la Coupe de France et pour l'instant, la CACOP qui a bien progressé, qui a battu Dragon Slayers 2-0. Ils affronteront Bonk qui ont, triomphé de Clanic Esports. Les Hits ont réussi à arracher un 2-1 contre Zerance qui se sont bien battus. Ils affrontent Amazing qui ont battu les Biginus 2-0. Et Mujipus, c'est l'une des équipes favorites, vous le savez, qui a rencontré Victory Esports. Ils les ont battus 2-0. Idem pour CGN, donc qui les rejoignent et qui ont abattu, bref, 2-0 également. Les Valorian qui sont fait récupérer par Sector One 2-0. Et donc Mandatory qui affrontera Sector One puisqu'ils ont réussi à arracher un 2-1 un petit peu compliqué à Akuba Esports. Vous le voyez, on a un lower bracket, un double élimination bien entendu. Pas de fausse note, pas de dinguerie dans le tournoi. On laisse la deuxième chance. Et donc, pour les matchs de ce lower bracket, il s'agira de Dragon Slayers, Clanic Esports. Ensuite, on aura Zerance Biginus. Ensuite, Victory contre Bref. Valorient contre Akuba. Ce sont les matchs du lower bracket. Qu'entre 4 matchs du upper, on aura donc l'Akacorp contre Bonk. Les Hits contre Amazing. Emojipus contre CGN. Et enfin, Sector One contre Mandatory. Je regarde un petit peu le calendrier, mais vous l'aviez tout à l'heure, ce fameux calendrier, mesdames et messieurs. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-ci avec, donc, jeudi, c'est-à-dire demain, jeudi 3 novembre, vous allez avoir Dragon Slayers contre Clanic et Victory contre Bref. Vous aurez ensuite vendredi les Valorians contre Akuba, Zerance contre Biginus, samedi Mandatory Sector One et Hit Amazing. Et enfin, le dimanche, il s'agira donc des quarts de finale, hein, comme samedi, Carmine contre Bonk et Emojipus contre CGN, sachant qu'on progresse donc en direction de voilà, en direction d'une grande finale qui aura lieu à Montpellier. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on est sur un 20 000 euros de cash prize à peu près pour les vainqueurs, ce qui n'est pas du tout négligeable, et le niveau est extrêmement élevé dans cette phase LAN, dans cette phase online, pardon. La phase LAN, c'est celle-ci, du 11 au 13 novembre. La Lyon eSport, le célèbre événement justement de Lyon, la célèbre LAN,
qui va vous proposer un tournoi Valorant de grande envergure, sans doute la plus belle LAN de l'année 2022. Sans doute la plus belle LAN d'ailleurs, Valorant francophone jusqu'à présent. 32 équipes sont attendues. Il me semble d'ailleurs même qu'ils ont augmenté un petit peu l'assiette d'équipes, puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de monde qui s'était inscrit. Peut-être est-ce monté à 64 aujourd'hui. On a 15 000 euros de cash prize à aller chercher et des très très grands noms justement qui se sont d'ores et déjà inscrits. Par exemple, Mandatory, K-Corp, GMT, Les Bonks, les Fakes. On va retrouver Mandatory, qui est l'équipe chill de Zerator. La team Koi, Klanik, Akuba, bien entendu. Sinoz, CGN, Amazing. Les Bijinus sont là aussi. Exalti, les Job Life sont ici aussi. On va retrouver, alors ça c'est sur le deuxième panneau, puisqu'il y a tellement d'équipes. On a dû en mettre beaucoup. Ils sont 64 en effet maintenant. La team Zerance, les Yandez, les Valorians, les Valiants, les Sector One, les Total Spies, Résurrection, Auxerve. Qui sait qu'on va avoir d'autres d'incontournables. Les No Limits sont là aussi. Les Never Named, par exemple. Il y a donc énormément de très très beaux noms à venir chercher ici, mesdames et messieurs. Dans cette Lyon e-sport. Donc, ce sera le week-end prochain et vous aurez a priori le plaisir de m'y retrouver également en physique. Donc, voilà pour ce très très beau tournoi. On va en reparler un petit peu plus tard, je pense, la semaine prochaine. On va en reparler beaucoup beaucoup plus. Ce dont on n'est pas encore, voilà, pas encore fixé. La date qui était fixée à octobre, il s'agissait de l'autre compétition étudiante, la Grosse League, qui a un tournoi Valorant également en 2022 de proposer, mais il semblerait que, eh bien, ce tournoi ait été peut-être un petit peu delayed, on ne sait pas encore, organisé par Amazon University notamment. On devait avoir un tournoi donc TFT ainsi que Valo. On verra un petit peu comment ça se passe, mais pas de nouvelles de ce côté-là. Et puis, un petit tournoi également dont je vous avais parlé la dernière fois, la MaxLAN Pampan, incroyable nom, qui aura lieu le 26 et le 27 novembre. Ça, c'est encore loin, mais je vous le rappelle, dans les arènes de Metz, donc, une LAN également qui va être disponible donc du côté de l'Est de la France. Vous l'avez compris. Rapide coup d'œil également sur l'agenda de la fin d'année pour nos amis de la Val League FR, donc les broadcasters français officiels. Avec ce mois d'octobre donc qui vient de se terminer, où on avait pu suivre les Game Changers, les séries EMEA Qualifier numéro 3, on va retrouver donc la Coupe de France, puisqu'ils la diffusent d'ores et déjà, et vous avez pu en suivre des morceaux si jamais vous étiez sur les interwebs ce week-end. Et puis, les Game Changers Championship de Berlin seront également diffusés, voilà, pour un très très gros programme de novembre. Normalement, ce mois de décembre se conclura par, voilà, la fin de la Coupe de France, ainsi que le tournoi donc Occitanie eSport, qui aura donc le caractère de finale pour ça. On se termine avec une très très belle photo, tant par la qualité que par son contenu. Il s'agit de Lowe, Mathieu Plantin, vous connaissez bien entendu, l'ex-joueur de OG, aujourd'hui analyste et caster du côté de Val League, donc, qui faisait des essayages de robes très réussis. Bravo, mon cher Mathieu. Pour le move, la photo est également très très quali. Félicitations au photographe ou à la photographe, je ne sais pas. C'est tout pour cette scène française, mesdames et messieurs. On va se diriger vers la dernière section de l'émission avant de partir sur un petit peu de, voilà, un petit peu de gaming, un petit peu de gameplay tous ensemble, si vous le désirez. Ce sera l'agenda de la semaine. Allez, jingle! Le jingle,
qui voilà, est en place. Et notre agenda, notre agenda, notre agenda, où est-ce qu'il est? Il est là, il est là, notre agenda. Attendez, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est pas celui-là, celui-là, c'est comment, c'est qui? On ne sait pas. Ah, très bien, c'est bon, c'est bien celui-là. Et on l'active. On l'active alors avec deux petits tournois de derrière les fagots que j'ai eu du mal à identifier. Le premier, le What's Up X Supreme X BDX, qui va avoir lieu du 7 au 14 novembre, donc à partir de lundi prochain et pour toute la semaine. Très très peu d'infos là-dessus. Il y a même pas, je crois que j'ai même pas le cash prize. Il me semble qu'il doit y avoir 15 euros de cash prize, me semble-t-il, pour les gagnants. Je ne suis pas sûr. Également, un autre petit tournoi, celui-ci, organisé notamment par Frenchy et Lowax, si vous les connaissez. Le tournoi Axolot Gang en 2 contre 2. Petit tournoi, voilà, avec un format un peu particulier que je vous proposerai d'aller regarder également. Il y a Noob Moru qui fait partie de l'organisation également. Et puis, bien entendu, ce que je vous invite à regarder ce week-end, cette fin de semaine, d'ailleurs à partir de demain, je n'ai plus l'heure, on va regarder l'heure. On va regarder l'heure du premier match, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agira de Dragon Slayers contre Clannic. Ce sera 19h, 19h française. Voilà pour la Coupe de France Valorant qui va vous proposer deux BO3 par soirée. Deux BO3 dans un premier temps de Lower Bracket le jeudi, deux le vendredi. Et puis on passe au quart de finale ensuite samedi et dimanche. Voilà pour l'agenda de cette semaine. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Pour cette fois-ci, merci à vous, mesdames et messieurs, de m'avoir suivi une fois de plus dans cette émission, émission en numéro 84, mine de rien, ça commence à tourner. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver la VOD sur Twitch si vous êtes abonné à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous avez un petit Prime qui traîne comme ça, là. Hop, petit Prime. Et si jamais vous êtes patient, vous avez déjà utilisé votre Prime, et eh bien vous pouvez retrouver les VOD sur YouTube, exclamation VOD également pour les amoureux de l'audio, le podcast Valo Hebdo qui reprend les émissions, puisque vous l'avez vu, je me décarcasse à décrire un petit peu tout à l'audio, tout ce qui se passe et tout ce qui est visuel également, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, vous êtes très très nombreux sur Deezer d'ailleurs, je vois. Google Podcast également, tout ça c'est totalement gratuit, mesdames et messieurs. Donc, si jamais vous souhaitez me soutenir ou suivre simplement les actualités pendant les transports, pendant le travail ou autre chose, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter le podcast. Donc, il est mis à jour très régulièrement également. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée pour ceux qui partent à présent. Pour ceux qui veulent rester, eh bien écoutez, on va partir dans une petite phase de gameplay. Voilà, on va jouer un petit peu à du Valorant. On va s'organiser un petit peu ça. Écoutez, à très bientôt pour ceux qui partent et à tout de suite pour ceux qui restent. C'est parti, on passe au mode gameplay.